C'est toi ? Oui, lieutenant Matt Kelso. Il était prévu de livrer la marchandise dans les meilleurs délais. Je vous rappelle que l'on doit mener à bien cette mission. C'est un ordre du laboratoire, notre commanditaire. La prime vous sera retirée et les problèmes vont suivre. Très bien, écoute Angie. La marchandise est maintenue en état d'hypergel. Bon, je passe les douanes. Et on rentre. Et à moi la prime. Bien méritée. J'étais en mission sur une sale planète, quand soudain le code 7 m'est apparu. C'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. On m'avait parlé d'une bestiole à refroidir, d'un alien avec une mauvaise réputation. Bon, je sais, j'aurais dû finir le travail, la buter comme prévu, mais... je pouvais pas laisser cette fille dans un endroit aussi sordide, non? C'est bon, le plus dur est fait. Angie, enclenche le pilotage automatique et prépare-nous une petite trajectoire pour Moon Beach. Oui, lieutenant Matt Kelso. Deux jours de voyage. Et tu verras, on y sera. J'espère que tu sais ce que tu fais. J'aimerais pas retourner entre leurs mains. Comment ça, entre leurs mains? Bah oui, au labo. C'est là qu'ils font toutes leurs expériences. C'est les mêmes qui t'ont envoyé pour m'exécuter. Si je pouvais, je les tuerais tous. Mais non, c'est du passé tout ça. Maintenant c'est toi et moi, entre nous. Non, tu vas voir, on va soulever une petite cabane. Et puis après, on ira casser des noix de coco et puis on passera notre temps à faire l'amour. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas? Ça va être bien, mais carrément, carrément. J'ai quitté cet endroit de merde. Non, non, de l'air. De l'air. C'était mignon quand même. Ouais, bien mignon, bien con. T'as vu où ça l'amenait? Franchement, je sais pas ce qu'il avait dans le crâne. Un baiser avec le dernier code 7 de la galaxie. Il a que ce qu'il mérite. Attends, t'as vu comment elle est foutue? Ah ouais? Quand ils l'auront décongelé, t'iras au labo. Quand tu verras à quoi elle ressemble en vrai, je peux te dire que tu vas vite débander. Faut dire que Kelso réfléchissait pas trop avant de dégainer, pas vrai? Notre destination. Je lance la procédure d'atterrissage.